we were talking about this planting of 1 million trees. This is a PPP project, which we call private. Pour le moment, on est duty free et à Maurice. Il faut avoir 40% valeur ajoutée là où ils sont en train de produire ces produits. Dans toutes les boutiques artisanales à Maurice. Pour mon propre business et il y a une plus pour nous-mêmes. Et en plus de ça, nous avons un bon mentor qui peut expliquer nos biens. Deuxième session, second level, à cause de tout spécialiser ton cours. Donc, il y a un stage qui est sorti Saint-Pierre, Coupe d'Inde, Pierre-Pin, Vacroix et ailleurs pour venir. Je m'en retrouve pour être mon premier intérêt parce que bizarre, il y a une capacité de l'humain, il y a besoin de training pour préparer certains micro-business. Je t'apprends, c'est vrai, c'est Gorbet Meeting, de 3 par exemple, et puis ça nous shift les autres à le how to manage your business. Parce que la théorie aussi très très importante, parce que quand on connaît, si je connais faire seulement du making ou bien woodcraft, j'ai besoin d'une connaissance de marketing, j'ai besoin d'une connaissance de marketing, j'ai besoin d'une connaissance de finance, pour être capable de bien gérer, mieux gérer de l'entreprise. Donc, moi, je suis vraiment de voir pour une minute, mais aussi de constater de visu ce qui se passe et me capable de me satisfaire. Et nous pouvons répliquer ce manque-là, quoi que préférer des gens dans les autres services de la semaine, notamment à Woodlands, à Maïbo et à Bédé. Vous trouvez là de quoi
un petit salon d'artisanat, mais tu m'as produit qui est assez intéressant d'un certain bon niveau. Un petit salon. Un salon d'artisanat, c'est une bonne idée. Mais seulement, nous avons un travail pour faire parce qu'on a besoin d'un bon panel de bonnes produits. Par exemple, on a une idée ici, ça va un travail qui peut faire le Fibercraft, ça va un panier qui peut faire là. Et plusieurs objets hein, qui peut faire avec, avec bah, différents produits qui nous pourraient. Par exemple, le rotel, par exemple, ça travaille fantastique, le PFR. Et différents designs, différents objets que le PFR. Vous pensez que nous allons continuer dans sa bilan là. D'ailleurs, Rodrigue, nous pouvons mettre un manteau dans une protection pareil. Et ici, je peux apprendre from scratch. Hein, ça veut dire que quand un stagiaire en table, il n'y a pas connu du tout. Il n'y a pas connu ça du tout. Et il peut apprendre ici. Donc, c'est quand même un plus. Tu veux dire, c'est la madame, puis le mot, créer une place photographe exposée dans un produit. Est-ce qu'il est réalisable? Oui, il est réalisable. Mais ça, au niveau de mon ministère, il y a déjà un arrangement, par exemple, avec la municipalité de Cap-au-Beau, pour de 3 lundis sur 4 par mois, ça va dans ce là il faut que ma coopérative de expose et de vendre dans le produit. Nous avons un arrangement pareil avec le Picasso de cela. Mais moi, pour discuter au niveau du ministère avec les autres membres collectifs de l'État, par exemple avec le Nord, avec le Sud, Grand Pau, etc. Et nous pouvons donner ça à notre gouverneur parce que nous pensons qu'il s'amène produit que le préfère là, il vend là, et il gagne sur un client, mais n'empêche que nous avons un parcours manieux pour être capable vraiment d'exposer, expliquer aussi vendre un produit. Donc, ce demande est raisonnable, nous invitons. Et madame, tu es là pour vous dire à propos des produits chinois dans le département textile, mon propre, qui sont des deux petits de non, ça, non. Quand on me demande, quand il dit moi qu'il fait bien une place, il me dit que pour le garment making, il y a un client qui vient produire chez eux même. Et les gens ont des problèmes avec la produit importé. Mais ça, nous tout, on a posé beaucoup l'eau là. Ça impose substitution, il y a une stratégie ça. Manuka a montré. Il y a un produit qui est rentré de l'Asie, pas uniquement de la Chine, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de l'Inde, etc. Et si un produit nous capable de fabriquer aussi, c'est tant mieux. Et c'est ça que nous avons fait. Et pour cela, nous pouvons travailler avec Made in Mauritius, hein, Mauritius Manufacturers Association, pour promouvoir le produit Made in Maurice. Hein, donc, SME Mauritius, il est déjà fait travailler avec, en partenariat avec. Mais Mauritius Manufacturers Association pour promouvoir ce que vous pouvez dire, Made in Mauritius.